on nous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy Tactics Advance. Donc on a réparé l'erreur de la dernière fois où j'ai loupé la mission des meufs qui croyaient qu'on voulait les mater. Et si je faisais enfin une cutscene, hein? Ah, des cristaux de ténèbres, j'en ai besoin en plus. Ouais, je regarde un peu les trucs, voir ce qu'il y a comme mission. Alors on va faire une quête scénar. Vu que je suis pas loin. Ouais, ça fait longtemps. Et vu que c'est un début d'épisode et les quêtes scénar, faudrait faire au début d'épisode parce que si t'échoues, c'est un game over. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite quête scénar. Surtout qu'il reste plus beaucoup. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas mis le bruitage. Une mise à jour virale VPS, cette mise à jour. Bah, il reste plus que deux quêtes scénar là. S'ils ont fait ce qu'ils ont annoncé, nos croqueurs de diamants ne devraient pas tarder. Tu as acheté la vie déjà quelqu'un. Alors le skin in-game est bien, mais l'artwork, ça ressemble pas à Van, hein. À cause de l'annonce de l'auberge, tous les moutons de la région veulent notre peau. En plus, il est moche. Je te sers de prime, j'hallucine, c'est trop fort ce qu'on est célèbre. Des vrais superstars. Ça va, encore elle, ça va. Dites, pourquoi vous prenez cette voix de ridicule? Quelle voix? Dis-je rêve ou il nous insulte, lui? Mais oui, t'as raison. Je le vois maintenant. Eh, hey, tu cherches les ennuis ou quoi? Ouais, on va lui faire sa fête. Il va vite comprendre à qui il a affaire. Bah justement, à qui j'ai affaire? Non mais c'est une blague, c'est pas qui on est. J'hallucine. Tu vois pas que t'as devant toi les stars des pirates Van et Penelo? Je sais pas si Van et Penelo sont des stars, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas vous. J'adore les couleurs qu'ont les grillasses. Ah, j'ai pas le droit d'agresser des vangas? Ok, pas de problème. Allez, j'ai envie de sortir ma harpie. J'adore les couleurs qu'on prend, les gris, là. J'adore les couleurs qu'elle a. Elle doit être déjà ancienne, à mon avis. Au moins, elle a la bonne classe, hein. Et pour charmer. On n'en a même pas.
comprends rien, toi, je suis Van, le top pirate d'Ivalice. Devant nous, les trésors filent ventre à terre. Tu crois pas que Van ou Peneo dirait ce genre d'annerie? Allez, viens m'agresser que je rigole. Bah il a les tic-tics de Van en plus. Oh, je l'ai loupé, t'es sérieux? Non, y a pas un beau coffre. Frame parfaite. Ah, ils font mal quand même en face. Aïe. Viens t'achever sur un de mes personnages. Ou barre-toi. Oui, j'ai protégé l'autre en me mettant là. Il faut mettre les quêtes de scénar quand même niveau dégâts. Bon, on va voir les tic-tics que j'ai. Assaut dimensionnel. Ah, ça touche les deux en plus. Allez, je te redonne une chance de rejouer, mec. Je suis sympa. Je suis sympa. Au lieu de sympa, j'ai dit je suis sympa. Ça fait quoi, sans froid? Ah, des skills. Mouais. Trop belles les couleurs. Ah, Harpy. C'est ce job que je veux. Menuet, mince. Menuet des bois. Oui, je suis en train de me faire viol. J'ai remarqué. Non mais, pourquoi je loupe toujours un coup?
Oh, oh, l'ennemi qui se loupe. Normalement, trépied. Ah, immobilité, si. Ça se voit pas. Ah oui, mais c'est vrai. Je m'en fous d'avoir des morts vu qu'il y a elle. Ah, ouais. Ouais, mais non, en fait. Ah oui, mais non. Ouais, non, le mec il a sang froid. Je le laisse en paix, hein. J'y crois pas, c'est pas possible. J'ai l'air, merde, elle crève ou elle crève pas? Rosenbach. Voilà. C'est nul, je pensais qu'on était les meilleurs. Quatre level up, je prends. On passe au plan B, fichons con, il est plus vite que ça. Quoi? Et le cube précieux alors? Oublie ça, Poupinette, je vais pas finir en tôle. C'est quoi déjà à tôle, la prison? Non mais j'hallucine. Une minute. La vie d'un pirate ne se calcule pas en minutes, petit. N'est-ce pas les doublures? Mais... Je reconnais qu'au niveau vestimentaire, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, Van? Quoi? Le vrai Van et la vraie Peno? Comment qu'on est grillé? Et plus que ça encore. Beaucoup d'écrans se font passer pour nous en ce moment. C'est pas bon pour notre réputation. Des voleurs de bijoux, ça va encore, mais de vulgaires piqueurs de saquins, là, je dis stop. C'est comme ça depuis l'histoire avec le baron Belton Ray. C'est quoi son délire de top pirate d'Ivalice? Le meilleur pirate du pays, j'aimerais bien. Quoi, c'est pas toi? Pas encore, mais je compte bien de devenir un jour. D'un autre côté, si t'es un sosie, c'est que tu es célèbre, non? D'habitude, je me préoccupe pas de ce que font les autres, mais un imitateur, ça peut être dangereux. Nous avons déjà assez d'ennemis comme ça. Tout à fait. On pourrait bientôt en rajouter un sur la liste. Pardon? Van! Je comprends rien. T'inquiète, c'est juste un truc de pirate. Finalement, c'était plutôt une bonne chose que ces imposteurs soient aussi miteux. Votre aide nous a été d'un grand secours. En fait, j'ai fini ici dans l'espoir de vous défier. Bah ça, c'est pas prévu au programme. Les pirates du ciel ont bien trop à faire pour se permettre de se battre pour plaisir. On peut vous faire confiance pour mener les deux pacopies en prison. Bon allez, je te le dis, puisqu'on a fait tout ce chemin, on compte emporter ce petit chat noir souvenir, ok? Le chat noir? Parler de Géo, une minute. Je te l'ai dit, une vie du pirate ne se calcule pas en minutes. Je pense qu'on se reverra bientôt. À la prochaine. Jason, comme dit l'autre, ils nous ont piqué le diamant. La base virale VPS a été mise à jour. Scarlatium. Carol Johansson? Oula.
Ah oui, donc elle, elle a pris sa compétence. Épée sanguine. Je perds la truc, mais je peux me régène. Et c'est contre-productif vu qu'à sa compétence de violette. Bon, je déchu. Bah ouais. Intègre la protection corporelle, ça fait pas de dégâts donc c'est inutile. Ah, c'est bien ça, avoir une technique de dégâts sacrés. L'attaque ultime elle l'a pas pris. Il se crâne. C'est quoi la meilleure classe pour toi? Ouais, c'est gentil, pourquoi pas. Pas mal de boucliers. Une riposte répulsive, ça peut être pratique ça par contre. Ça peut être mort en riposte répulsive. Scaratium, je sais pas ce que ça débloque, mais ça peut être puissant peut-être. C'est un truc rare. Alors, t'as rempli toutes les pages? Presque, je bosse dur, enfin, si on peut appeler ça bosser. C'est pas que si j'ai exterminé le seigneur des ténèbres ou quelque chose comme ça, hein. Mais je me suis bien amusé. Au début, ce livre était quasiment vide. Oui, ton histoire est une page blanche. Maintenant, c'est toi qui l'écris au jour le jour. J'aime bien cette situation, j'ai l'impression de contrôler ma vie, même si l'avenir reste un grand point d'interrogation. C'est assez excitant. Bolo, tu sais, il est possible que tu ne rentres jamais chez toi. Oui, je sais, mais ça m'inquiète pas trop. Et puis, je suis pas seul dans cette aventure. Je suis sûr que tout va s'arranger pour le mieux. Ah, cette confiance aveugle est sans doute une force. Hé hé. Quoi de neuf, les garçons? Aubergiste, un bol de soupe. Gadeuf, s'il te plaît, avec un pain bien dur. Ah, la soupe Gadeuf. Tiens, ça me fout. C'est un des items pour faire des quêtes dans FFTA 1. La petite référence placée subtilement. Quoi, je croyais que tu avais amené tout le monde à déjeuner. Toi et les clans, vous êtes allés dans ton bistrot préféré, non? Oh, Kipo, oui, on a mangé comme des mangas affamés. Ah, c'est que la jeunesse a besoin de calories. J'ai pas un appétit d'oiseau comme certains vieux chefs. Qui traites-tu de vieux chef, petite insolente? Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'énergie. Au sein de Kamja, Ilum s'est trahi comme une bête. Si tu peux pas nous dire pourquoi tu as quitté Kamja? Je suis pas du genre à faire partie d'une organisation. Un jour, ça m'a sauté aux yeux. Cette hiérarchie, ces rituels, ces intrigues, ce n'est que du vent. C'est pour ça? Tu t'attendais à une motivation plus noble, une question de morale peut-être? Je suis pas un idéaliste, il m'en faut peu pour vivre. Mais même ça, je me tenais pas. Donc j'ai réussi à m'extirper de cette bande. Mais au moment où je pensais être libre, bang! Ça ne m'aurait pas gêné de périr ce jour-là. Ma disparition aurait été une perte pour personne. Mais alors que mon sang faisait une oreille autour de ma tête, j'ai une révélation. Le juge? Je sais pas quoi, mais lorsque j'ai vu cette armure brillante, j'ai envie de vivre. Mes lèvres ont bougé d'elles-mêmes, je me suis retrouvé à crier à l'aide.
T'as cru que ta dernière avait sonné, mais finalement tu as survécu. Du coup, tu as juré de consacrer ta vie au clan. Je vois. Ton histoire n'est guère différente, n'est-ce pas? Berger vient de me prévenir que tu peux au recommence. Quelqu'un a affiché une mission s'adressant exclusivement à notre clan. Cette requête nous demande de participer à une cérémonie. Elle est signée par vous savez qui? Oh, Cupopo. Voldemort? Il y va. Cupo. Acceptons cette mission. J'ai un compte à régler avec Ilua. Et je sens que je dois l'affronter pour boucler ce chapitre de ma vie. J'ai également un compte à régler. Moi aussi. Ouais, ça sera la semaine prochaine, hein. On fera le combat final la semaine prochaine. Ah, on va continuer là pour l'épisode. Là, on va faire, je pense, une quête annexe. On va voir si j'ai... L'ingrédient manquant, je peux pas. J'ai lancé numéroté. Déléguer la mission. On va bien voir si je peux la réussir un jour. Toujours pas. Oups. J'ai dérangé l'ordre. Une affaire en or, forêt Zedley. Ah oui, je peux pas. Forêt Disba. Boris. Ah, la musique des Elbarbiers. Oh, viens plus passer cet escroc. C'est toi, Nézel l'alchimiste. Le contraire de l'équipe des fouilles Mog affirme que tu l'as arnaqué. Eh ben, juste au mauvais moment. Niama, je n'apprécie guère qu'on me calomnie mon nom comme ça. J'ai fait mon travail vendu du bon matériel, c'est tout. Vraiment, le mieux serait que tu viennes avec moi et expliquer ça au contremaître. Moi aussi, je voudrais savoir comment un simple marteau peut coûter 20 000 gil. Tu veux bien nous suivre? Les amis, nous occuperons de ceci plus tard. Pour l'instant, débarrassons-nous de ces gêneurs. Ah, je vais vous rouler dessus, les gars. Ah, ça fait plaisir, donc. Ah, vaincre... Oh, bah, la mission ira vite. Si je dois juste violer le mec. Ah, je suis obligé de le prendre. Eh ben, on va prendre les personnages qui peuvent cheater niveau déplacement. Ils peuvent attaquer à distance, hein. Je crois même pas que je pourrais faire le truc. Hauteur supérieure ou égale à 10. Donc en gros, je me fais niquer quoi. Car je suis à 4,5 de hauteur. Ils sont gourés dans le sens du inférieur ou égal ou quoi là? Interdiction d'être sur une case. Non, interdiction d'être sur une case supérieure. Oui, non. Non, c'est juste moi qui lui ai à l'envers. J'ai interdit d'être à une case supérieure ou égale à 10. Donc faut que je sois en dessous. Donc ça passe.
Ah, je suis à 9. Je suis à la limite. Quoi, bon. Lame de vent, c'est pas pratique. Naja, à mon avis, ça sera mieux. Non, onde supersonique. Ouais, c'est mieux. Bah, mon but, c'est juste buter lui, donc... Bon, comme ça, je ferai une mission de plus, car la mission aura duré 2 secondes. Ah, quand j'ai qu'une cible à tuer... Boum! Voilà! Quête finie! Oh bah, on peut faire une autre quête, hein. Non, pourquoi? Vous refusez de m'écouter avec quelqu'un de plus malhonnête que moi, arrêtez! Allez, 2 level up, ça se fait. L'aile de fée, ouais, ça peut être un drop intéressant, que je sais pas souvent. Oui, je prends l'aile de fée. Allez, Dunaire, direction la prison. Un jour ou l'autre, on finit par payer le prix de ses actions. C'est exactement ce que je me disais. Tiens, il ressent vachement à les ailes. Ah, t'es qui, toi? Un allié de l'alchimiste? Bien au contraire, ces brigands étaient à mes trousses. J'ai vu que tu avais une traînée, donc j'ai souhaité te parler. Je me nomme Iselbert Bier, tu m'as rendu un fier service. Et moi, je suis Boléo, du clan Peste Mojo. Je dois trouver un moyen de te récompenser. Quoi? Non, t'inquiète pas pour ça. Ah, j'ai vu que ton clan, tu avais un juge dans ce cas. J'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, c'est pour toi. Une carte? Ce puissant sortilège protégera ton juge. Certains clans ne reculeraient devant rien pour éliminer ou capturer le juge des autres. Ça a l'air d'être important. Tu veux vraiment me la donner? Tout à fait, je l'avais fabriqué pour un client, mais vu que tu viens de l'arrêter. Qui ça, l'alchimiste? Il a tenté d'en créer une, mais puis a demandé mon aide, sauf qu'il la voulait gratuitement. Furieux, je lui ai déclaré qu'elle valait 80 000 giles. 80 000 pour une carte? Pas une simple carte, un sortilège imparable protégeant le juge de toute attaque physique ou magique. Et unique au monde à ce prix-là, c'est une affaire. Et pourtant, tu me la donnes gratuitement? Ah, tu penses qu'il y a un monde qui se roche, c'est ça? Si t'en as pas besoin, je la reprends. Non, non, ça m'intéresse. Ah ah! Je vais te laisser. Lorsqu'on est si génial que moi, le temps est ce qui manque le plus. Mes cartes sont recherchées dans tous les valises, tu sais. Je croule sous les commandes. Adieu, Boléro. Bah, salut et merci. Un marteau à 20 000 gilles, une carte à 4... ou une carte à 4000 gilles. Je me demande lequel des deux est la plus grosse arnaque. Oui, non, le marteau à 20 000 gilles, c'est une arnaque. Mais la carte à 4000 gilles, c'est pas une arnaque, c'est Iselbert Bier. Hein. Le mec qui a fait les cartes anti-lois de FFTA 1. Hein. Le mec qui t'arnaque pas. Sache-le. Oh, j'ai fini d'apprendre. Bon, oui, j'ai fini de tout apprendre. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre la crosse de sèche pour gagner 600 magie. Faire plus de dégâts. Ouais. Et donc, la dernière mission était à Fluoris. Donc... Faut traverser la frontière. Et là, on est au mont Doridor. Ça m'arrangerait pour aller vérifier les grottes de Garneria. Non, Roséal. Ah. Une mission exceptionnelle. Remis qui passe ce mojo, donc là il y aura une petite coupure parce qu'on m'a dérangé en plein pendant cette cinématique.
qui n'est pas pratique. Regarde si vous voyez, vous apercevez une coupure, hein. Une minute, jeune homme, il est interdit d'aller plus loin. Pardonnez-moi, j'y suis allé un peu fort. Ah, il s'est fait frapper? Parce que même moi, j'ai loupé la cinématique. Il n'est pas dans mes habitudes de tendre la main au garçon, mais bon. Eh, c'est toi qui me rentrais dedans. Ne serais-tu pas un membre du clan Pest Mojo? Et toi, tu es? Je vous demande pardon encore une fois. J'ai tellement serré par votre charme, mademoiselle, que j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Alcide Margrace. La fleur en train d'éclore une vision des plus enchanteresses de ce monde. Mais plus que sa beauté, c'est son envoûtant parfum qui fait chavirer le cœur. Margrace? Tu le connais? Non, pas vraiment. Apparemment, c'est qui nous sommes, mais je vais quand même faire les présentations. Je suis Adèle. Et celui qui est tombé sur ses fesses après t'être rentré dans, c'est Bolero. Juste mon nom aurait suffi. Donc tu t'es ramassé à notre clan, pourquoi? Comment dire? Ce n'est guère convenable de faire une requête à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, mais j'espère que vous pourrez remettre cette missive à quelqu'un. Quelqu'un, c'est un peu vague. Arrêtez, cette tâche sera un jeu d'enfant. Car vous connaissez le destinataire de la lettre. Yes. Et comment sais-tu qu'on connaît? Mes douces amies sont très bavardes. Quelles douces amies? Il est bizarre ce type. Mieux voilà, nous devons y aller. Acceptez-vous ma requête? Bien évidemment, vous serez dédommagé pour votre peine. Ça sent l'arnaque cette histoire. Nous acceptons volontiers. Mais enfin, Adèle! Je vois que la jambe de Mazel est aussi belle que magnanime. Il est clair que tant de beauté et de compréhension cache d'autres talents. Mais très bien, mais à qui on doit-on donner cette lettre? Un pirate du ciel, un garçon qui ne compte malheureusement pas la ponctualité parmi ses qualités. Ta compagne en revanche est exquise d'une beauté sans pareille. Sinon, oublie mon actuelle interlocutrice, bien sûr. Assurez-vous que le pirate reçoive cette missive. Sur ce, je vous tire ma révérence. Quel frimeur, mielleux et tout. Pouah, je vois ce genre de type. Ça m'étonne pas. J'arrive pas à croire que tu aies accepté. Dis, t'es pas tombé sous son charme, au moins. Oh, c'est un garçon très intéressant. Cela ne fait aucun doute. Ami, malgré, ça serait rentable que cet homme soit redevable. Donc je n'ai pas bien compris la partie sur ce pirate qui n'est jamais à l'heure. Ouais, je pense qu'il parlait de Van et c'est logique. De toute façon, c'est le seul pirate du ciel qu'on connaisse. Tiens, le chasseur de primes. Vous n'aurez pas croisé Van par hasard? Il n'est pas avec toi? En fait, on allait justement partir à sa recherche. De Van, pourquoi? Un charmeur Touringar nous a donné une lettre pour lui, enfin, je crois qu'il est destiné à Van. Un message, je peux jeter un coup d'œil à l'enveloppe? Ce sceau. Son propriétaire, c'était pas un grand escogriffe avec des lunettes bizarres? Avec un air mi-chemin entre la flatterie et l'arrogance? Si, c'est à peu près ça. Il s'appelle Alcide Margrace. Dis donc bien lui, il est déjà parti? Van a sans doute totalement oublié leur rendez-vous. Mais d'ailleurs, oui, passé Van, il peut être en ruine. Irine fait parler de cet endroit au nord de la Réoga, on pourrait venir avec toi. Pardon? Faut bien qu'on lui remette cette lettre. Bien aussi, hein, Adèle. Je croyais que cette mission ne t'intéressait pas. Mais bon, j'ai l'impression que notre client ne sera guère généreux si on oublie de transmettre son message. Merci de votre offre. En avant, allons retrouver Van. On va pas la refuser, hein. Oh, de toute manière, j'ai pas le choix. Ah, j'avais une mission à faire, là.
Il dit que je peux y trouver mieux que ça. Vu que c'est une fille en général, je préfère mettre les serre-têtes. Ah, j'ai mon habitude sur comment c'est rangé. Là, le problème, c'est que tu peux pas faire comme dans FFTA 1, mettre que les armes exclusives. Donc, elle peut mettre que tout ce qui est dague et tout ce qui est bâton. Continue la magie, ouais. Polka Marzuka. Existe une danse déconcertante au prochain arbre qui diminue l'attaque des unités tuées, ouais. Il existe une danse du vent passé tout en projetant une aura qui absorbe le plus d'unité à distance. Ça, par exemple, ça c'est utile. Ça, par contre, c'était un truc utile. Bon, d'abord, je voulais faire une autre quête. Attends, j'ai fait toutes les quêtes. Non, il y a bien une quête à faire ici. Un fleuriste, ouais, il est au même endroit que l'autre quête. Bon bah j'ai les quêtes pour recruter Van et Penelo, je crois. Laisse pirate assister à notre réunion et c'était une grave erreur. Mais pas aussi grave que celle de se faire prendre. C'est morveux! Il est parfaitement innocent! Deux ou trois claques, il aura compris qu'il faut laisser les adultes tranquilles! D'ailleurs, Club, je pensais que notre accord avec le clan a été une bonne chose, mais là. Attendez, on peut s'arranger! J'ai nullement l'intention d'écouter vos excuses. Adieu. Ah! J'espère que votre petit accord n'est pas tombé à l'eau à cause de moi. Espèce de... T'as jamais dû être un point plume, mais là, on est carrément dans la catégorie pachyderme, non? Tu vas voir ce qu'il va te faire, le pachyderme! Van! L'occasion que j'attendais! Ah, ma jambe! Van! Allez, debout les clébards, j'ai un beau morceau de bidoche pour vous. Ne voulez pas de susciter ses amis, tant que vous y êtes. Courage, Van. J'arrive pas à faire une voix accent allemand, là. Parce qu'à base, c'est ce que je voulais faire. Ah oui, en plus, il y a des pièges dans cette zone. Bon, j'ai pas le droit de prendre les vanguards, ok. On va déjà prendre un assassin. Un deuxième. On va prendre lui pour l'ode de la vie. Et... c'est tout, tout l'année en plus. Ah, tu pourras pas me repousser, mais j'étais bloqué contre un mur, hein.
Ah, mais Viera, je voulais faire monter en haut. Ah, je protège les arrières de Van là. Je me disais, merde, je fais beaucoup de dégâts au mob. Bah, tu m'étonnes, ça rappelle niveau 29 quoi. Du moins 30. Waouh, il y en a un qui absorbe le feu. Du moins qui est immunisé. Ça va? T'inquiète pas. Heureusement que tu as amené le petit bastonneur avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché, mon grand. Tu n'es jamais là où on doit se retrouver, mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. J'étais sur la piste des malfaiteurs qu'on recherchait. Je sais pas si c'était une occasion. J'ai pas pu résister à une occasion pareille. Tu es incorrigible. Oui, je sais, maman, mais tu feras morale plus tard, ok? Ah, elle peut apprendre la magie blanche. Minuet, Vincent. Le pire, c'est que je connais déjà les techniques, étant donné que... En plus, elle a la magie blanche. Elle. Oh, mais... Elle a la compétence à laquelle je pense, celle de mi-MP. Demi-coup. Bon, je m'en fous royal de demi-coup, mais bon. Sans froid qui augmente son XI, on forme mieux que la capacité réflexe des SIC. Non, Peignéo, je l'enlèverai son job danseur. Hein. Comptez sur moi. Il est bien pratique pour soigner des altérations d'état sans consommer ses 2 MP. Boum, boum. Thank you.
J'aime bien la tactique là, c'est un saigné gratos. Oh, tu veux le tuer. Ouais, 35 minutes, l'autre vidéo elle fait, ouais. Je voulais finir sur... sur l'autre mission que j'avais commencé, mais on le fera pas. Étant donné que je vais largement trop dépasser. On fera la prochaine fois l'autre mission, c'est tout. Au moins je serai comment je nomme cet épisode, on recrute Van et Penelo. Voilà. Me faire aussi mal, c'était une mauvaise idée, mec. T'as de la chance, mec. Non, franchement, la nouvelle technique qu'elle a apprise, là, qui fait les dégâts par rapport à la différence de HP, c'est vraiment quand l'ennemi est loin et que je peux pas le taper au corps à corps. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de chances de frapper avec. Ouf, j'ai commencé à me dire qu'on n'en viendrait jamais à bout. L'important, c'est que tout le monde aille bien. On a vraiment frôlé la catastrophe cette fois. Merci d'être venu à l'instant critique. Ouais, ça rapporte pas d'XP en même temps vu le niveau. Tu veux que je tourne le dos pour qu'il t'arrive les pires ennuis. Tu pourras au moins me laisser un message. Bello, quand arrêteras-tu de me prendre pour ton fils? Quand cesseras-tu d'être un enfant? Tu cumules l'insouciance des gamins et le goût du risque des adultes, c'est dangereux et pénible aussi. Pour moi, seule mission les plus risquées mérite d'être acceptée. T'as déjà vu un pirate peureux? On peut être courageux sans être suicidaire, tu pourrais te blesser ou pire. Bon, c'est vrai que la chance a joué un sacré rôle sur ce coup. Ok, je m'excuse, désolé. C'est bon, vous avez terminé? Oh, c'est vrai, t'avais quelque chose à remettre à Van. Bah donc. Une lettre, elle vient d'un homme nommé Alcide Margrace. Alcide? Mais pourquoi? Ah, j'ai complètement oublié, je devais le rencontrer. Oh, Van. Cette missive contient probablement la réponse que l'on attendait. J'aurais voulu qu'il nous dise ça en personne, mais bon. Intéressant. J'ai peur que tout redevienne dangereux d'ici peu. Voyons. Si vous voulez en savoir plus sur Kamja, je vous conseille d'entrer en contact avec le clan Peste Mojo. Van, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Xan nous joue un tour en nous faisant se croiser nos routes. Dites, vous vous souvenez du baron Beltolray? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? On a continué à s'informer pour savoir plus sur sa tentative d'assassinat. Lorsque Baron est revenu à lui, on a pu facilement identifier et capturer son agresseur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. En se réussissant sur Assassin, on a compris qu'il n'avait pas pu agir seul. Les forces occultes du Baron étaient largement supérieures aux armes d'un vulgaire meurtrier. Il y avait forcément un clan derrière tout ça. Edwin, qui en a trouvé caché dans l'ombre? Kamja. Vous les connaissez? Ils sont insaisissables. Nous avons demandé à un agent discret, quelqu'un qui agit sans attirer l'attention. Si on n'était pas sur la liste noire de Kamja avant, je pense que maintenant c'est fait. T'inquiète pas, leur liste noire s'agrandit tous les jours. Probablement. Je commence à comprendre. Laissez-moi deviner ce que notre mielé informateur à lunettes voulait vous dire. Selon lui, le meilleur moyen de retrouver Kamja est de passer par le clan Peste Mojo. Par nous? Bonne déduction. Tout est lié quand on y réfléchit. Donc tu devrais pouvoir deviner ce que l'on compte te demander maintenant. Nous aimerons rejoindre le rang de Peste Mojo. Quoi?
En inquiétude, on sera tout petit. Vu que Kamjan nous déteste tous, on ferait mieux de s'entraider, non? Ça pose un problème, Bolero? De nouveaux membres d'un coup, c'est beaucoup, non? Faut qu'on demande son avis à Sid. Mais j'ai le sentiment qu'il sera content de vous accueillir. Je l'espère. Je reste maintenant que nous sommes même pas présentés. Je m'appelle Penelo. Et moi Van, sympa de vous rencontrer. Adèle. Et moi c'est Bodro, bienvenue parmi nous. Ah, je pensais pas... Je pensais que les personnages comme ça recrutés c'était en mode fin du jeu quoi. Interception, c'est de la merde. Vigilance. Ça peut être bien, mais bon. Toi, je te mettrai ce que je pense. Je vais te foutre en voleur. Je vais te foutre en mode double lame. Bon, et aussi au niveau 41. Bon bah, je voulais acheter toutes les dernières armes et tout le bordel, mais apparemment, là, ça s'enchaîne, les cinématiques. Van, je suis là. Waouh, ils m'ont laminé. Qui ça, les enfants? C'est vrai que tu as l'air épuisé. Comment putain avoir tant d'énergie, ils doivent abuser des potions quand j'ai le dos tourné. Je crois que je vais les laisser s'entraîner seuls pendant un moment. Tu fais le petit dur, comme d'habitude. Et je sais bien que tu es un faible pour ces gamins. J'aime bien cette musique, elle est apaisante. Elle me rappelle notre vie à Rabanastre. Lorsqu'on parcourait la région avec toute la bande, on s'amusait bien. C'est drôle, cette mélodie m'évoque la même chose. Cupo, Van, Penelo, vous êtes venu écouter mon concert? Oh, Cupo, c'est trop gentil! Lutte. C'est toi qui joues comme ça, tu as vraiment du talent, tu sais. Oh, Kipo, merci, tu me fais trop d'honneur. Il n'y a pas si longtemps, les gens me jetaient des tonnades carnivores même. Et je suppose que tous ces voyages ont été bénéfiques à ma musique, Kipo. Oui, nous avons dit que tu avais rejoint un clan. Ça nous a même étonné que tu aies intégré le clan Peste Mojo. Visiblement, ça te réussit. Vous aussi, vous allez en forme, Kipo. Quand on parle de vous dans tout Ivalis, j'ai toujours suivi vos aventures. Même avant de faire partie du clan Bolero Kipo. Si quelques années vous serez plus les plus grands pirates du pays, c'est sûr. C'est vrai qu'on est doué. Ah, au fait, vous avez des nouvelles de Nono? Mais écrit récemment, il disait que vous lui manquiez, Kipo. Nous manque aussi. Nous l'avons pas revu depuis les Mures. Il travaille toujours comme mécanicien sur le sillage. Oh non, Kipo, il est coinsé, il a pu se fabriquer son propre vaisseau. Dans sa vie, il disait qu'il s'apprêtait à faire son premier voyage, Kupo. Incroyable, il a construit son propre vaisseau. Et il est rapide, plus nerveux que le sillage. C'est pas possible. Kupo, je connais pas tous les détails. Le mieux serait que vous le voyez vous-même. T'as pas tort, on ira peut-être le voir très bientôt. Van, tu reviens un petit garçon dès qu'on parle de vaisseau. Bah c'est normal, parcourir le monde, c'est notre métier, non? Faire construire son propre vaisseau, c'est le rêve de tous les navigateurs. C'est Penon, on devrait engager un constructeur de vaisseau un jour. On est du père d'ici à notre navire d'être le plus beau et le plus performant possible. Cet ingénieur pourrait nous expliquer comment avoir l'air de vrai pro. Pas question, t'as oublié que à quel point c'était cher de faire construire un vaisseau. Si on avait autant de gil, j'aurais plein de choses à acheter avant. Vous savez, avoir un troubadour dans son équipe coûte beaucoup moins cher qu'un vaisseau. Un maestro personnel, c'est presque aussi chic qu'un navire sur mesure. Quelle équipe? D'abord une danseuse et maintenant un musicien. On est pirate ou un circambulant? On n'a peut-être pas de dresseur d'éthique, mais on possède un superbe clown.
En tout cas, c'est pas tes blagues qui vont remplir notre portefeuille. Tu peux envoyer que vous avez besoin de moi pour gagner quelques giles. Je suppose que notre nouveau trou va devoir faire ses preuves. Oui, le ciel nous attend. Alors, même sur le clan, on va changer de classe. Comment on range l'ordre des personnages? Attends, voleur. Ninja. Trois compétences de spadassin. Bon. On va déjà faire le voleur, hein. Maintenant, on va acheter toutes les armes qui correspondent aux classes. Là, l'épisode fait déjà une heure, là. J'avais pas prévu autant de cinématiques, hein. Ah, la Cinquena. Cinquedea. J'étais pas loin. Protection de flammes, on s'en fout. Bouclier crasseux. Ah, la veille rouge. Voleur, trappeur, trappeur, machin, 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 machin. Ah, pirate du ciel, rapiné. Raflé. Non, nia, nia. Je regarde tout, on sait jamais. Je clique griffes, ça donnera rien. Les instruments, si.
Je pense que c'est bon. Bon bah sur ce, je vous remercie de regarder, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, et sur ce, salut salut.